Et plop les gens, de retour sur Basement. D'ailleurs, les répétitions des actions exactement pareilles à chaque fois, avec une espérance de changer, c'est absurde, c'est être fou. Mais ce jeu, il y a de l'aléatoire, donc c'est pas... Même si je refais exactement deux fois la même chose, mais pas exactement deux fois la même chose. En plus, le temps passe tellement vite que je peux pas faire exactement à la minute près dans le jeu. Donc, c'est la suite du dernier épisode. Hein. Maintenant, on est un gang comme un autre. Sauf qu'on se fait démonter la face. En fait, il faudrait peut-être que je laisse pas les premiers trucs se faire prendre. Genre là... Lui, c'est compliqué, là, tout de suite. Je peux mettre en pause ce truc? Oui, lui, je lui dis d'aller... Va te reposer, va te reposer. Là, les flics vont arriver. Je veux que les stocks diminuent là-bas. Que les stocks de pourpre diminuent. En fait, j'ai l'impression que si je laisse les gangs prendre un truc, je pourrais juste jamais le reprendre ou vraiment très difficilement, contrairement à la mission d'avant où il fallait pas que je les laisse prendre quelque chose. Là, il faut, enfin, il faut toujours pas que je les laisse prendre en fait. Oui, d'accord. Là, je veux arrêter les frais. J'ai assez de place. Eux qui veulent bien venir nous aider. Ah bah là j'avais mes trois soldats, ils sont morts. Hein. Déjà tenu par un janky, ça. Donc ça, on vend. Ah, je peux faire ça, oui. On a dit hop, hop. Faire une prod de verre ici. Et toi, je veux que tu fasses rien, ou ça plus exactement. Ça, le stock du bas, je vais le virer. J'ai mes 2000. J'en ai embauché 5, j'ai oublié qu'il fallait que je capture ça. Je vais même en embaucher un sixième juste parce que
Du coup, je pourrais faire deux équipes de 3 si y a besoin de défendre deux à la fois. Un endroit. De défendre deux endroits à la fois ou toujours avoir une équipe de 3 qui s'entraîne et soigne. Je sais pas, quelque chose du genre. On va essayer de faire ce genre de choses. Autrement, on met le... Mettre ici deux trucs de vente, c'est un peu chelou, je trouve. Ouais, mais du coup, autant ne pas avoir de stock, vu que de toute façon, on peut pas régler facilement le comment un stock se répartisse. Voilà, deux équipes de 3, je pourrais même en avoir un de plus, et ça serait bon. J'avais pas vu ce tuto. Quand un employé fait quelque chose, par exemple, se battre, gagner de l'expérience, dommages et vie sont des progrès par qui se remplissent en orange, oui. Oui, oui, non mais on l'a déjà vu ça. On l'avait déjà vu. Plus efficace d'entraîner les dégâts dans la salle de sport. Et on s'entraîne à la fois les dégâts et les PV. Je les crois. Apparemment, tu t'es pris un coup un peu grave, ne sois pas effrayé. Défends autant de bâtiments que possible. Essaie de survivre, je l'ai fait un millier de fois. Contre un seul endroit de soin, c'est un peu petit quoi. Ici, on va améliorer ça quoi qu'il arrive. Alors toi, t'es full life. Ok. On va t'équiper de ça. Toi, t'as plutôt besoin de stamina normalement. Et j'ai pas vu ici. Oh là là, je vais encore me faire défoncer. Oh, il s'est défendu. Bah, continue de produire de ça. Que t'as pas de vie, c'est plus safe si tu produis du verre. Ouais. Non. Toi, vous allez là. Les autres. De toute façon, vous avez pas de vie, vous pouvez rien faire. On va rien faire. J'ai pas de thunes pour les flics. Tout va bien. Les flics sont là, on réapprovisionne en verre.
Ah bah c'est bon, c'est mort. C'est remords. J'en ai... Ok, ils sont pas très nombreux. Je les ai embauchés juste avant minuit. Oh là là. Ça aussi, c'est relou à tenir. À garder en tête. Il y a des objets intéressants. Plus de vendeurs, ça appartient aux flics. Juste faut voir combien ils sont. Vous êtes en forme. Vous êtes... Vous venez tous, quasiment. Mais bats-toi, toi! Ils ont pris le vieil hôpital avec masse de trucs en fait. Non mais je n'y arrive pas. Pas d'argent, bah, voilà. Prenez le bâtiment, en plus apparemment il n'y avait plus personne. Oh, j'avais oublié. Mais de toute façon il y a masse de produits, production ici, on n'arrive juste pas à vendre. Alors vous ennuyez, revenez là, toi en particulier, je crois que t'es le moins cher. Équipe-toi de ça, revenez ici. Toi. Et Kenny, j'ai oublié Kenny. Ouais, j'aime pas payer des taxes. Ok, non, c'est vraiment nimp. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les envoyer.
à la salle de sport produire et vendre. Apparemment la salle de sport, il y a genre que les flics qui pourraient venir. C'est pas ouf la disposition du truc. Je peux faire ça quand même. Ou à la salle de sport juste en mode de survie à cet endroit là. J'avoue, j'ai pas mal d'idées là sur comment faire ce niveau. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Adieu Hugo, adieu Maurice. Otis. Au revoir Franklin. Content de t'avoir connu Mathieu. Ok. Frédéric Chase, on les emmène ici. Frédéric Chase, comment tu t'appelles toi? Virgile et Sean. C'est blessé, il va dans son lit d'hôpital. Ouais, c'est pas optimal. On va embaucher un ou deux, voilà. Et on va aller se battre. S'en vend, je pense que là de toute façon il vaut mieux, il faut deux endroits pour soigner minimum. J'ai mis 2000, on arrête les dépenses. Yep.
En fait, c'est là où c'est intéressant de... d'avoir des soldats qu'on garde et qu'on entraîne. En fait, je me demande si les soldats... Vu que je sauve les 4 vendeurs de base, je me demande si c'est pas plus intéressant de juste prendre des soldats quand même. Parce qu'il y aura toujours les petits vendeurs qui ont essayé d'aider. Je ne vais embaucher que des soldats à partir de maintenant. En tout cas, pour l'objectif, c'est de faire des combats, évidemment. Si l'objectif, c'est d'améliorer cette zone pour mieux produire, je prendrai pas des soldats. De toute façon, là, c'est pas la production, c'est écouler les stocks qui est difficile. Alors... j'ai réagi quasi instantanément. Et je vais quand même me le défoncer avant. Toi, je vais te laisser là-bas. Si je me loupe pas, il y en a un qui devrait rester s'occuper des opérations. Non, ici, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, vont se ramener ceux qui sont prêts à se soigner et à se battre. Logiquement toi, je sais pas trop justement. C'est toujours la meuf, donc tu vas venir. Et j'ai pas de thunes. Comment vous appelez? Roman et... Catherine. Romain et Catherine, vous venez là. J'ai pas de quoi satisfaire les flics. Ici, j'ai besoin de soldats. J'en ai aucun de dispo. Allez, tu t'en vas vite, donc les flics m'embêtent. Très bien. Ok, ça c'est plus à nous. Ça non plus. Et là, et ici, je crois qu'il y en a un qui avait un PV. Toi, t'es libre, mais c'est que t'as pas compris que je t'ai dit où c'est, non ?
temps, et c'est ça, le seul truc qui peut me donner le droit à l'erreur, c'est d'envoyer les deux persos principaux à la salle de gym. Parce que ça leur permet de théoriquement jamais se faire attaquer, tant qu'on a de quoi payer les flics si jamais ils viennent à la salle de sport. Ça me permet de perdre, de pas être attentif à n'importe quoi. Mais il faut toujours, toujours avoir les sous, parce que reprendre un truc des flics, ça sera impossible. Si jamais je sais que je vais vendre, donner un truc aux flics. Là, j'ai vendu l'étage du haut, mais c'est plutôt le lit d'hôpital qu'il faut vendre. Comme ça, un jour, peut-être, j'aurai les sous. Je pourrais avoir envoyé suffisamment de gars, ou des gars suffisamment entraînés pour quand même reprendre les lieux. C'est dur, désolé pour ça le live et la VOD, hein, mais c'est ce qui rend aussi les jeux de gestion intéressants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes noms. Essayer de s'en souvenir et de pas lire. Revoir à chaque fois pour les 4 vendeurs les plus qui se font reprendre. 4 points de vente, c'est fait beaucoup quand même à se faire prendre. Donc ici, Frédéric, oh mais on voit en fait, ah mais j'avais jamais fait gaffe, on peut voir sur la carte où ils sont. Sean et Vigil, et c'est marqué 4 sur 11 que j'ai sélectionné, vous venez là. Toi tu viens là. Toi tu t'appelles Roman. Vous vous inversez juste pour qu'il y en a un qui puisse se soigner. C'est pas ouf mais bon. D'ailleurs est-ce que les véhicules ça m'a... Ça me coûte rien à garder quoi. Ok, donc eux sont tous là. Vous attaquez tous. Toi, tu vas retrouver ton vrai métier. Pas au même endroit, mais ton vrai métier quand même. Qu'est-ce que... Ok.
problème, c'est que les soldats sont lents. Est-ce que c'est une vraie stat, ça? Yeah. Ah, ça doit être la stamina. C'est pour ça que eux sont à peu près aussi rapides et que j'ai pas forcément fait gaffe. Vaut mieux des combattants quand même. Voilà. Mais le truc, c'est que... Ou alors je mets des lits d'hôpitaux en bas, et là je mets des points de vente. Parce que là, il... Je peux pas reprendre ces endroits. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Tu vas t'entraîner là. Oh, il y a déjà trop de monde là-haut. Déplace plus lentement. Mais que tu sois plus proche. Oh, même là en fait. Ouais, t'en reviens. Mais j'ai pas de thunes pour les flics, mince. Mais j'ai jamais de la thune. Jamais je peux avoir suffisamment de... Si, en ne perdant pas ça, quoi, mais je le faisais attaquer aux deux endroits à la fois. C'est juste trop, trop dur. Et eux qui viennent interrompre en bas, mais au pire moment à chaque fois. Ou des gens des rues, je ne sais pas trop.
Ok, donc ici. On va faire juste quand. Vu qu'on voit sur la carte, on va les faire venir juste quand. Quand il y a besoin. On va reprendre les gars un peu plus. Qui savent un peu tout faire. Ok, alors là tout de suite. C'est toi qui devine. Maintenant, c'est à toi de venir. Et à toi. Et enfin, à toi de venir. J'ai essayé de les garder au maximum pour qu'ils essaient de faire le plus de ventes possible. Pour espérer avoir un tout petit peu plus d'argent. Ouais, mais si je perds ici, en fait, je perds ma l'endroit où je peux avoir masse de thunes. Je peux entreposer mes billets. Allumer la lumière, il commence à se faire tard. À se faire sombre surtout. Je vais mettre les lits d'hôpitaux ici. Je vais mettre des points de vente ici. Pig Hunter et Kenny vont vendre. Je sais pas lequel des œufs je prends. Je vais prendre une pourpre en bas et une verte en haut, un truc du genre. Donc ici, Kenny Genter, vous venez là. Shaun, dès que tu vas bien. Tu vas venir ici. Non, production, vous êtes pourri, vous. On va embaucher quelqu'un pour faire un peu de prod quand même de verre. Non, ça on peut que vendre, ça on peut améliorer. On va dire que c'est pas hyper urgent, on va dire.
ils vont pas avoir le temps de venir. Faut voir combien ils sont du coup maintenant qu'on l'a vraiment perdu. On a que 500. Vite. Alors. Vous êtes où chacun? Non. Alors si vous... Mais genre, y a personne dans ce bâtiment là qui va se faire. Ah non, parce qu'il y a déjà les rouges. Donc ils peuvent se faire déplacer. Ok. Vous allez venir. On va attendre 2 secondes, mais venez. Alors les combattants, c'est vous. Vous avez jamais le temps de vous entraîner vraiment, mais c'est pas grave. Toi, tu t'appelles Dion. Dion, tu vas venir ici te soigner, comme Jimmy. Jimmy, il est où? Il est... Non, Jimmy, non! Il n'y avait pas besoin! Alors ici, on ramène... Tu t'appelles comment? Mais non, putain. C'est la mouise à gérer. Dès qu'ils sont en déplacement, il se passe plus rien. Oh, je pourrais presque reprendre ce tendon là. Bon, vu que le rouge l'attaque française. Je les ai envoyés une mort, certaines, tous les deux. Ouais. Ouais, ici. Oh là là, il y a masse de monde. Ah, ou alors il faut que je reprenne. Si jamais ils me prennent un endroit, il faut que je le reprenne tout de suite, quoi. C'est peut-être ça. Ils l'ont pris. J'ai pas d'argent. Allez-y, tuez-moi. Oui. Bon, eh bien, c'est la mouise. Autant la fois d'avant. J'avais une idée de comment...
comment gérer ça. Autant là, je n'ai pas vraiment d'idée. Enfin, pour la mission précédente, je veux dire, j'avais une idée de comment gérer. Autant pour celle-ci, bah, ça fait deux épisodes complets ou presque, puisque je vais m'arrêter là, que j'y arrive pas. Mais le pire, c'est surtout que j'ai pas d'idée de comment faire mieux. Genre là, j'aurais espéré que le fils du flic il revienne plus vite, quoi, mais non. Il ne vient pas si vite que ça, et du coup c'est la mouise. Si vous avez des idées de comment réussir, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je pense que je vais essayer tout seul, hors stream, hors enregistrement. Si j'y arrive, on verra. Soit si j'ai bien compris comment j'ai fait, j'essaierai de le refaire en live et de vous montrer. Si j'y arrive, mais par un coup de chance, et ben je vous expliquerai comment ça s'est passé. Donc voilà, je sais pas s'il y a beaucoup ou s'il y a même d'autres missions après celle-ci. On sait rien du tout en fait. Je sais pas combien il y a de missions théoriquement dans le jeu. Je sais par contre qu'il y a une sandbox, donc si j'y arrive vraiment pas et que vous avez pas forcément d'idée, on continuera peut-être le jeu, mais seulement en bac à sable. On pourra voir à quoi ça ressemble. Il y a apparemment deux autres drogues. Donc, pour avoir ce qu'elles font aussi, les découvrir en bac à sable. Je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs la description de la campagne au tout début, peut-être que je l'avais pas enregistrée, je sais plus. En tout cas, je l'avais vu en live. Évidemment, on nous disait que en gros le mode histoire était plus difficile que le mode bac à sable. Je pense que pour ces missions-là, entre la dernière et celle-ci, je ne peux qu'acquiescer, que confirmer. Enfin, quoique, je n'ai pas encore vu la sandbox, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'unités qui sont envoyées plus que normalement. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez des idées, si vous avez des conseils, que vous connaissiez le jeu ou pas. C'est même plus intéressant si vous ne connaissez pas le jeu, que vous voulez que je tente de faire des choses. Et puis, un petit pouce en l'air, c'est toujours bien, même si on galère. Et à très vite.